Yo tout le monde, c'est Matt23, je suis retourné sur la vidéo, on se retrouve pour l'épisode 4 de Resident Evil. Yo tout le monde, c'est Matt23, je suis retourné sur la vidéo, on se retrouve pour l'épisode 4 de Resident Evil 7. Donc, dans l'épisode 3, j'ai vu beaucoup d'entre vous qui ont apprécié l'épisode. Merci à tous, merci de suivre ce let's play. J'ai reçu pas mal de commentaires qui me disaient, dans l'épisode 3, que j'avais oublié le fusil à pompe. Bon, entre nous, je ne sais pas où il est. Je sais qu'il y en a un à la statuette qui tient le fusil à pompe, mais dès que je prends le fusil à pompe, elle se referme la porte. Je crois que c'est Céline. Elle m'a dit, il est dans la résidence principale, donc jusque là ça fait assez simple. À l'étage, à côté de la cassette et de la télé de Mia. C'est une porte scorpion. Et que j'ai d'ailleurs, heureusement, parce que... Ah oui, c'est vrai, on s'était arrêté dans la caravane. Donc on avait reçu l'appel de Zoé qui nous disait qu'il fallait faire attention à sa mère, Marguerite. Donc là, il y a fusil à pompe qui est là. Jusque là, tout va bien. Et le problème, c'est ce que je veux dire. Il se ferme, cette porte-là, donc je peux pas sortir. Donc je suis obligé de le reposer, bah pour ouvrir, quoi. Je suis obligé de les déposer pour ouvrir. Donc, c'est à l'étage. Donc, la cassette de Mia, elle est là, avec la télé. Mais, la porte scorpion... Ah ! Putain, elle est là ! La porte scorpion, elle est... Ah ! Fusil à pompe, écoutez ! Ok, on va l'ouvrir. Allez, go. Scorpion. Putain, merci. Bonsoir ! Oui. Des cartouches de fusil, yes, c'est bon ça. Là, y'a rien... J'en ai marre de courir après tous ces abrutis dans le jardin. La prochaine fois que l'un de nos invités tente de se faire la malle, cache les têtes de chien pour que personne ne puisse sortir de la maison. Et là, on avait les indices. On a qu'à les cacher là. Horloge de grand-père dans le séjour, donc voilà. Le livre dans la salle de jeu. Et salle de dissection. Là, on avait trouvé le malade. Et c'est là qu'on avait on l'avait tué. Le Jack. Attends, c'est une blague là ? Non mais attends, me dis pas que j'ai fait tout ça pour avoir un fusil à pompe cassé, s'il vous plaît. Me dites pas que j'ai fait tout ça pour avoir un fusil à pompe cassé et inutilisable. Je suis en train de réfléchir comment je pourrais faire là. Oh putain, j'ai une idée. Bon, les amis, vous êtes d'accord que j'ai le fusil à pompe cassé, qui, lui, est utilisable, car... Quand je le prends, voilà, il n'est pas cassé, je peux tirer avec. Mais si ! Ça, je sais pas si ça va fonctionner, parce que je sais pas si la statue, lui, elle va comprendre, tu vois. Peut-être que la statue est intelligente, il va dire « Ouais, pourquoi tu me donnes le fusil à pompe cassé ? Je m'en bats les couilles, tu me donnes mon fusil à pompe à moi. » On va tester ça tout de suite. Et ça, c'est le fusil à pompe cassé. Donc, on va voir. Et ma connerie a fonctionné, putain. Ah, mais c'est là où il y avait Mia qui était là en train de... Ah, avec tous les bébés, vous vous rappelez ? Moi, je me rappelle très bien. On va s'équiper du fusil à pompe. Hein. Ça va ? Ça fait bien flipper. On dirait un plan pour fabriquer une sorte de lance-flamme. Ouais, 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 c'est bon, ça. On peut pas... Oh ! C'est quoi ça ? Je vais pas trop m'approcher parce que ça se trouve c'est une... C'est quoi ça, cette grosse bestiole là ? Il y en a partout ! Me dis pas qu'on va devoir se battre contre des mouches géantes. C'est bien le cas. Non mais sérieusement, et c'est quoi ça ? Bonsoir. Oh, oh, le brûleur. Malheureusement, j'ai plus de place dans mon inventaire de merde. Et d'ailleurs, on pouvait pas aller avec Mia avec ici. Oh, une sauvegarde, mais je vais sauvegarder direct, l'ami. Oh, vous pouvez maintenant transporter. Il y a encore plus de poches. Non. Oui. Oh putain, mon inventaire est encore plus grand. C'est ça qu'on veut, nous. On veut un inventaire grand. Voilà. Ah. Oh mais non, mec. Oh mais non, pas cool ça. Vraiment pas cool quoi. Il faut que je trouve l'araignée. Comme si c'était pas aussi compliqué que ça. Là y'a quoi là? Ah putain, faut que je trouve un mécanisme. Une manivelle, un truc comme ça je pense. Bon on va aller là, hein. Y'a que là que je peux aller. Donc, cassez-vous. Oh c'est quoi ça? Injecteur. Oh une plante, c'est bon ça. C'est quoi un injecteur en fait? Non.
Oh, oh putain! D'accord! La combinaison a été faite, les amis. Bon, on va pouvoir utiliser notre petite lance-flamme. Je l'ai combiné, comme tu vois. Allez, mourir là, bande de merde. Oh la merde, oh la merde, oh la merde, merde. Voilà! Et vous, vous mourrez. Elle est en haut encore. Bon, partout elle est en haut. Elle est en haut, elle est en haut. Oh putain, il est pas encore mort, putain. Et là, vous allez cramer, bande de salauds. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Oh. Les amis, je suis complètement bloqué là, je sais pas où faut aller. Pourtant, j'ai détruit tous les nids et tout, hein, y a rien à faire. Hein. Ouais, rien à faire. Putain. Là, j'avais un nid là, il y avait un. Oh, attends, c'est quoi ça? Oh! C'est quoi ça? C'était pas là avant ça? Ah, mais c'est qu'il y avait le nid, c'est vrai, il y avait le nid là. Bonsoir! Oh! Ethan! Maintenant ça suffit, Mia! Je veux des réponses! Je sais, tu as raison. Et j'ai toujours voulu t'en parler. Mais je ne me souviens que d'une partie. Le reste s'est envolé! Ah, c'est ça! Ça dérange, Yves! J'emprunte maman juste une minute. Arrête pas planté là! Fais quelque chose! Ethan, au secours! Merde! Oh, je l'avais oublié, lui, c'est vrai! Putain, il avait zappé! C'était tout en pierre. Ah! C'est pour faire l'araignée, là. Il me faut ça. Impérativement, il me faut ça. Directement. Je sais que je m'enlève, là. Putain, mon inventaire est encore plein, quoi. Là, je suis pas dans, je suis dans le mal, là. Je vais utiliser ça. Allez, go! C'était tout en pierre. Est-ce qu'il y a des trucs à prendre? Non, non, il y en a. Oh, putain. C'est pire que saut, là-dedans. Allez, go. J'espère que je vais pas croiser quelqu'un au retour. Hein. Mon nom m'a fait peur. Fiche le camp d'ici! Me voilà où? Faut mieux pas que tu me cherches parce que j'ai quand même un fusil à pompe dans la main. Elle est où? Où elle est? Ça pour l'entendre arriver. Go. Faut que ça fasse une araignée. Faut que ça fasse une araignée. Là. Non. Là, c'est bon. Vas-y, go. Go. On se casse. Allez, vite, foute. Là, je suis bon, là. Faut mieux pas que je croise Marguerite. Là. Je suis, mais en... Regardez-moi les frissons que j'ai, mon gars. C'est horrible. Merde. Oh, mais non, mec. Tu vas faire comment? Oh, mon Dieu. Tu vas faire comment, mec? Tu vas faire comment? Ça va aller? Moi, je pourrais pas aller dans là-dedans. Je vous dis ça, je pourrais pas aller là-dedans. Y a quoi d'apprendre? Ah, là, y a un truc là. Une herbe? Ça peut toujours servir. D'accord, là il y a le petit. C'est quoi ce bruit là? Oh putain, faut encore mettre un niveau. Bon, on va monter les escaliers avec ça à faire. Ouais, mais j'ai pas le truc de corbeau moi. Encore. C'est quoi ça?
Ah, par contre, il y a une autre là. Alors, Zoé, tu as encore essayé de t'introduire à l'étage, n'est-ce pas? Tu pensais que je ne le verrais pas. Même après ce qui est arrivé à Evelyne, tu continues de parler de ce foutu remède, excusez-moi. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec mon hôtel? Tu ferais mieux de pas mettre les sales pattes dessus. Personne ne touche à mon hôtel sacré. Tu nous prends pour des imbéciles, ton père et moi. Tu n'es qu'une sale petite ingrate. Je regrette de t'avoir mise au monde. Oh, c'est chaud d'entendre ça de sa mère. Oh, moi, ma mère elle me dit ça, mais moi je me tue direct, mon gars. Toi qui es... Oh putain! Toi qui es une moins que rien, comment oses-tu nous mépriser et essayer de quitter notre maison après tout ce qu'on a fait pour toi? Ingrate! Oh putain, si jamais tu t'avises de toucher à mon hôtel, je te promets que je te découperai la poitrine et que j'en ferai un rôti. Même avec Mia, elle parlait comme ça, ça s'entendait. Bon, on va rentrer dans le trou, hein. Il n'y a que ça à faire. Bonsoir. Oh, ça fait flipper sa race. Ça fait flipper sa race. C'est quoi ce bruit? Ah! Putain, on va te détruire. Hein? Oh, j'ai plus de place, sérieusement, quoi. On peut prendre la manivelle. Ah, la manivelle qu'on devait chercher depuis longtemps, là. Putain, celle-ci, on l'a cherchée depuis longtemps. Hein. Putain. Ok, on a la manivelle. Ça, c'est cool. On va pouvoir l'utiliser. Oh, putain, pas ces bestioles-là, là. Cassez-vous. Je te tue, sinon. Voilà. Je t'ai promis quelque chose, je te tue après. Allez, on sort de là. J'espère qu'on va pas croiser Marguerite. C'est quoi ce bruit? Il y a un énorme bruit, vous avez pas entendu? Bah, j'étais pas le seul à entendre ça quand même. Allez, casse-toi toi, tu commences à me casser les couilles. Bon, on va utiliser là. Allez, go, qu'est-ce que ça va faire? Ah ouais, d'accord. Mais casse-toi! Putain! Oh, c'est pas possible de voir ça. Ok, donc là, je sais qu'il y a un autre mécanisme à utiliser. À utiliser avec la manivelle. On va essayer d'y aller. Mais par problème, c'est qu'il y a Marguerite qui est par là. Ça me fait bien flipper, quoi. Il n'y a rien pour toi ici, Ethan. Ah, oh, oh putain, elle va à droite alors que j'ai besoin d'aller à droite, putain. Putain. Oh putain! Just...
Go, 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 go. Oh putain de merde. Allez, go, m'attuiser. Hop. Manivelle. Allez, 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 allez. Et hop, 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 hop. Y'a quoi, y'a quoi, y'a quoi, y'a quoi. On ferme, on ferme. Ouh. Bon, déjà, j'ai plus de vie là. Il va falloir que je prenne de la vie. Voilà. Combustible, ok. Y'a quoi dedans là. Oh, clé corbeau. Oui. C'est ça qu'on veut. Ah ouais, donc la clé corbeau, ouais, ça va te servir à ouvrir la porte. Vous savez, on a vu le message de Marguerite, là. Super froid et tout, pour Zoé. Bon. On va faire pour pas croiser cette folle, là. Cette folle de Marguerite, là. Putain, elle est juste là, quoi. Ça fait flipper sa race, quoi. Oh, 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 oh. Casse-toi, putain, ta mère. Mais c'est moi qui viens de me casser les couilles. Oh putain. Oh c'est bon, j'ai réussi à sortir. Go, 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 on y va. On passe le pont. On va de l'autre côté. Vite, 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 vite. C'est bon, elle ne nous suit pas. On va pouvoir utiliser la porte corbeau qui est juste ici. Je t'ai dit de ne pas t'approcher d'ici. Très bien, petit enfoiré. Tu l'auras voulu. Tu n'iras nulle part. Ça ne se fait pas, mon cher. Mes bébés. Pour pouvoir débarquer, faire ce que tu veux avant. Voilà ce qui arrive. Quand on s'invite dans des lieux où on n'est pas censé être. Où est-ce que tu crois aller? Tu vas mourir dans ce trou. Tu vas aimer ça. Régalez-vous, mes chéris. Bah alors. Elle est morte. Non. Recharge. Ouais, je sais pas. C'est bizarre en fait. Je sais pas si elle est morte en fait. Oh putain, j'ai flippé ma race. Je suis pas bien du tout quoi. Je suis pas bien du tout. Ok, putain, j'ai bien flippé ma race, quoi. Bon, clé corbeau, là. Putain, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Vraiment, quoi. Je m'attendais tout face sauf ça, quoi. Oh, le truc est bien flippant. Et j'aime ça. Oh, une batte de baseball. C'est quoi, ça? Y'a Lucie! Regardez, y'a Lucie! On va y tout en fait. Qu'est-ce que. Oh! C'est quoi ça? À propos du sérum, série, les ingrédients suivants possibles créés d'un nerf crânien de série D. Nerf périphérique, série D. Yo! Pardon. Ça doit être ça. Ah, Zoé, 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 Zoé. Alors, t'as trouvé le sérum?
viens d'en finir avec ta mère et ses satanés insectes. T'aurais pu me prévenir. Je suis désolée. Et pour le sérum? Je l'ai pas trouvé. Mais je sais ce qu'il nous faut pour en faire un. Une tête de série D et un bras. Ça peut pas être ça. Une tête? Je crois que j'ai ça quelque part ici. Vraiment? Mais aucune idée pour le bras. T'as exploré toute la maison? Non, pas encore. Il me reste à fouiller l'étage. Ok. Trouve-le et rejoins-moi à la caravane. Ah ouais, encore dans la caravane, quoi. Bon, ok. On a répondu au téléphone. Tout ça. C'est quoi ça? C'est du satanisme, ça, c'est sûr. Là, c'est les petites poupées où tu pointes une petite aiguille et ça fait du mal aux autres, tu vois. Là, c'est le truc le plus horrible, quoi. Oh. Sérieusement, là? Il faut quoi? Porte semble reliée à la balance. Ah, merde! Comment on fait pour l'ouvrir, là? Bon! Ah bah, c'est pas grave, hein. Fais, tu veux que je fasse quoi, là, sérieux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Par contre, j'ai... Putain, je suis dans le mal, là. Je suis dans le jaune et tout, je suis pas très bien, là. Je peux rien créer parce qu'en inventaire, il y a plein, encore. Et... Mais non! Mais non! Mais non! Oh, sérieusement, quoi? Elle est encore en vie, elle! Viens là, toi! Viens là! Oh la vache! C'est spécial! Oui, carrément, tu peux le dire, mec. Hein. Tu peux le dire, Ethan. C'est très spécial, ouais. Genre, la meuf, elle a réussi à monter en 5 secondes d'échelle, quoi. La meuf qui est trop forte. Alors qu'elle est super vieille. Bonsoir! Ah, mais c'est. Ah, mais ouais! Et on va où en fait ça? Ouais. Ah! Photo d'un trésor. Putain, mon inventaire est encore plein quoi. Putain, je commence à en avoir marre de cet inventaire de merde. Putain. Je peux pas retourner là? Voilà. Au moins que je sauvegarde parce que. Là, il y a ça. Ouais, j'ai vu des toilettes, c'est tout. Les amis, j'ai une petite idée. Je sais pas si c'est très intelligent de le faire. Mais j'ai vu, il y a pas... Quand j'ai fait l'épisode 3, il y avait une porte corbeau. Une porte corbeau, c'est une herbe, ça. Oh, une herbe! C'est bon, ça. Et je peux pas créer. Si. Si, si. Voilà, j'ai de la vie. J'avais vu une porte corbeau au niveau de cette salle là. Donc on va essayer d'y aller. Voilà. Nickel. Là il y a la porte corbeau, voilà. On va essayer d'y aller. Voir ce qu'il y a dedans. Nice. Bonsoir, c'est moi, le chef de la patrie. Coup d'un canon. What? Un lance-grenade? What the hell? Il me faut de la place, là. Putain, j'aurais dû enlever de la place, quoi. Putain, mais moi, je savais pas ce qu'il y avait aussi, ça, le problème. Bon, on va utiliser ça, on va essayer. Voilà, ça va faire du bien. Ah, bah voilà, c'est ça qu'on va, là. Équiper. Ah oui, faut que j'équipe ça. Ah, le problème c'est que le couteau j'en ai toujours besoin quoi. C'est ça le truc. Parce que j'ai pas envie de le repasser pas. Ouais. Bon, ça fait des grosses armes. Oh, des grosses armes badass quoi. Si je tire, je suis mort. Oh putain. J'ai pas de place. Je n'ai pas de place. J'ai plus du tout aucune place, les amis. C'est horrible, ce jeu pour les places, mon gars, c'est... Ok, allez, continuons, les amis. On va continuer, on va monter l'escalier, là. L'escalier du mal. Parce que là, il y a un truc, mais... Je pense pas que ce soit là. On va plutôt prendre le fusil à pompe, parce que le lance-grenade, de près, ça fait très mal. Voilà.
Attends, je prends tout ce qu'il me faut là, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à prendre là. Tu peux pas, est-ce que tu peux patienter quelques minutes, s'il te plaît, Marguerite? Le combattant. Le combattant. Allô, c'est moi. C'est bon, je suis à toi. Bah là, il y a un escalier. Dites-moi maintenant qu'on en finisse. Bam. Je fais comment là pour aller là, pour aller la voir? Bah qu'on en finisse, je viens en finir mais... Je vais t'attraper! Putain! Tu vas te sortir de ça! Elle est complètement malade! Mais t'es folle ma vieille! Ah tu kiffes pas ça hein, t'aimes pas ça hein. De prendre feu là. Elle est où, j'entends. Oh, oh la salope. Alors, qu'est-ce que t'en dis de ça? Oh là là, elle monte toujours en haut. Oh, elle est là. Oh putain, elle va se tuer, elle va se tuer. Mais elle est pas bien, je suis là. Oh, j'ai plus de balles. Oh, je suis pas bien du tout. Busti putain. Alors Marguerite. On va prendre ça, on va voir ce que t'en. Ce que t'en penses de ça. Ah elle est là. Ah là j'ai tout mis, là j'ai tout mis, je pouvais pas faire mieux. Mort cette fois, ok? Ouais, fais comme Jack, tu... Oh, lanterne. Oui, c'est ça qu'on veut voir, nous. Yes. Je suis trop content, je suis trop heureux, là, mon gars. Là, j'ai jamais été aussi heureux. Par contre, ouais, faut que je prenne de... un petit peu de vie. Voilà. Ouh, putain, je suis content, les amis. J'ai réussi à l'affronter. J'ai mis beaucoup de temps à la tuer, vous n'avez pas vu, mais... J'ai mis beaucoup beaucoup de temps. Ah bah oui, du coup. Du coup tout s'effondre. Remettre pour mes soins, mais oui, c'est ça qu'on va voir nous. Et là on est dehors de la suite. Voilà. Ce jeu, il est monstrueux. Ensuite, faut aller. Ah oui, c'est là-bas. C'est par là. La suite est par là. Faut aller mettre l'autre lanterne. Il y a une lanterne à droite, mais il n'y en a pas une à gauche. Pour faire le poids. Oula, c'était quoi ce boom là? Sérieusement là, il y en a qui jouent du piano comme ça là. Quand je vous dis qu'il y a des fantômes, mon gars. Pas de conneries. Voilà. Et on peut pas la reprendre, non? Non. Oula. Il y a un truc là. Il y a rien dedans. Pourquoi il y a un tiroir? C'est quoi ce bruit là? Bah, pourquoi j'utilise ça? Parce que là je suis dans la merde. Là. Je suis pas bien du tout. Oh, 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 oh. Et là, là c'est une chambre d'enfant là. Il y a des trucs d'enfant et tout. Il y a un vélo d'enfant.
Ça par contre c'est pas très très enfant, mais ça passe quand même. Quand je vous dis qu'il y a des trucs de fantômes, j'ai pas trop envie de mentir, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est super joyeux, dis donc. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut voir. Par contre, c'est pas ce qu'on veut voir. Bonsoir. Je flippe ma race. Quelque chose ne va pas chez elle. Non mais attendez, c'est une connerie ou quoi? C'est une caméra cachée là. C'est... Où est la caméra quoi? Ne t'approche pas. Ne m'approche pas. Si je m'approche, ça fait quoi? Oula, c'est... T'es sérieux, là? Il y a une note. Et il y a quoi à comprendre là-dedans, là? What? D'accord, c'est ça qu'indiquait, en fait. Ouais, d'accord. Là, il y avait l'entrée. Là, il y avait le truc de poupée. Et là, au milieu, il y avait le secret. C'est ça que, en fait, j'ai mis au moins... on va dire 5 minutes pour comprendre ça. Et là, c'est pas très très joli. Et là, il y a le bras. Oh mon dieu. J'imagine que c'est ça. Je suis pas bien là. Je l'ai raté. Ok. On est content de savoir. Y'a personne derrière. Que je fais là, parce qu'en fait il y a une personne qu'on n'a pas encore vue dans le jeu qui est là en face de moi. C'était tellement prévisible, même moi je vous ai dit il y a quelque chose derrière moi. J'ai senti avec la musique et tout, c'était tellement prévisible. Oh, vous avez fait vers la droite, c'est quoi ce bruit là? Je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Je fight le truc, hein. M'en fous. Je fonce. J'ai pas envie de me retrouver encerclé ou quoi que ce soit. La sortie, elle est par où? Il y avait le vélo qui était là. Putain, je suis perdu là, ça y est. Oui, c'est par là, c'est bon. Go. On ferme la porte, putain. Oh, c'est bon. Oh, putain. J'ai pas dit. C'est bon. Ah! Tu l'as trouvé? Ouais, je l'ai. On va vraiment fabriquer un sérum avec ce truc? Ne t'inquiète pas. Une fois qu'on l'aura, on pourra sortir d'ici. Ensemble. Je t'attends dans la caravane. D'accord. Allez, go. On va rejoindre Zoé dans la caravane. On va pouvoir enfin savoir qui est Zoé. Depuis tant. On devait la découvrir, elle. J'ai pas essayé de l'avoir. J'espère qu'on va l'avoir d'ailleurs. Parce que... La maison des secrets. Tu t'écris sur Harry Potter ou quoi? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une connerie, non? Tu vois, putain.
Où est-ce que t'es maintenant? Hein? On laisse tomber. Il nous faut la tête et tu l'as déjà. Et ça va nous aider, c'est ça? Hé, mon pote, j'ai un truc à te dire. J'ai décidé que Zoé avait besoin de faire un break. Elle et Mia sont ici avec moi. Elles se tiennent mutuellement compagnie. Laisse-les partir! Qu'est-ce que tu leur veux? Non, non, non! C'est des histoires de famille, Ethan. Alors, tu te mêles pas de ça, t'as pigé? Maintenant, si tu veux la tête, n'hésite pas à venir la chercher. Je te la donnerai. Mais à condition que tu participes à une petite activité que j'ai préparée juste pour toi. Quelle activité? Oh, sois patient, patient. T'inquiète pas, elle va pas s'envoler, tu sais. La première chose que je veux que tu fasses, mon pote, c'est jeter un coup d'œil dans le frigo de la caravane. Va te faire foutre! Oh, oh, allez, sois pas si agressif. Tu veux t'amuser un peu, pas vrai? Alors, regarde dans le frigo. Les amis, on a vu énormément de choses aujourd'hui. On a réussi à tuer Marguerite. On va savoir ça dans le prochain épisode. On va savoir ce qu'il y a dans ce fucking frigo. On se retrouve pour l'épisode 5. La prochaine fois, on va savoir ce qu'il y a. On va savoir ce qu'il y a dans le frigo. Merci à tous, c'était Mia. C'était 63. À la prochaine. Je parle beaucoup.